Donc je disais, je suis guide à Provins et nous allons visiter ensemble les souterrains. Mais nous avons toujours l'habitude de faire un bref historique sur l'histoire de la ville avant de rentrer dans les souterrains. Comme vous allez l'entendre, l'histoire de la ville a un rapport avec les souterrains. D'accord ? Donc nous sommes ici. Les souterrains se situent ici entre la ville haute et la ville basse. Vous avez ici ce que l'on appelle des courbes de niveau. Il y a 34 mètres de dénivellation entre les deux villes. Les premiers habitants vont s'installer en ville haute sur un éperon rocheux que l'on va barrer avec un système de remparts. Le rempart que vous verrez en ville haute, c'est la troisième enceinte. Au début, la ville était toute petite et elle va s'agrandir au gré des siècles. Premier rempart construit au 9e, 10e siècle. Ce premier rempart passait à peu près derrière la tour César. Voilà les limites de la ville il y a bientôt 1000 ans. Second rempart construit au 12e siècle. Il passait derrière la Grange aux Dîmes. Et au 13e siècle, la ville est à son apogée avec le système des foires de champagne. Provins faisait partie du réseau des villes de foires. Et là, on va construire 5 km de rempart qui entouraient toute la ville haute et toute la ville basse. Sur ces 5 km de rempart, aujourd'hui, il n'en reste plus que 1,5 km en ville haute. Tous les remparts de la ville basse ont été démolis au XVIIIe siècle. On ne se battait plus de la même manière, on n'en avait plus besoin, on a démoli les remparts. Et on a construit beaucoup de maisons en ville basse avec les pierres. Mais par contre, il reste 1,6 km en ville haute. Là, évidemment, je vous conseille d'en faire le tour aujourd'hui spécialement, puisqu'il y a beaucoup d'animation dans les fossés des remparts. Cette ville était une ville très importante au XIe, XIIe et XIIIe siècle. 12 000 habitants au Moyen-Âge, 12 000 maintenant. Nous étions dans une région, c'est pas les mêmes, évidemment. Et au XVIIe siècle, il n'y avait que 7 000 âmes. Ce qui a fait la richesse, c'était le commerce. Nous étions dans une région qui s'appelait la Champagne, et les comtes de Champagne, Thibault, Henri le Libéral, les comtes vont tout faire pour attirer les marchands chez eux. Ils vont créer les conduits des foires, des gardes armés, postés sur les routes qui vont accompagner, protéger, escorter les marchands, dès que ceux-ci arriveront en Champagne. Donc dans le contexte médiéval où les routes n'étaient pas sûres du tout, les marchands vont apprécier cette protection, ils vont se le dire entre eux. Conclusion, ils vont venir de toute l'Europe faire du commerce en Champagne. La Champagne, plaque tournante entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. 1000 ou 2000 marchands venaient aux foires. Les foires de Champagne duraient 7 semaines et avaient lieu 2 fois par an à Provins, en été et en automne. Entre les deux, les marchands allaient à Lagny-sur-Marne, Bar-sur-Aube, Provins et Troyes. 7 semaines à chaque fois. Les marchands sont occupés toute l'année. On les appelle les pieds poudreux. Ils vendent des tonnes de marchandises, ils en rachètent d'autres qu'ils revendent dans leur pays. Et au passage, le comte de Champagne prend un petit bénéfice sur chaque produit vendu. Il s'enrichit et il fera construire tous les bâtiments que vous pouvez visiter encore aujourd'hui. La ville a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO le 13 décembre 2001, Provins étant une ville de foire de Champagne. Les autres villes, Lagny, Bar-sur-Aube et Troyes, ont beaucoup évolué dans leur structure, alors qu'à Provins, le parcellaire, le tracé des rues, n'a pas évolué depuis le XIIIe siècle. Tout cela a concouru pour faire classer la ville au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc Provins était une ville marchande jusqu'à la guerre de Cent Ans, et en même temps une ville industrielle où l'on tissait du drap de laine. Quand je parle du drap au Moyen-Âge, ce n'est pas le drap housse dans lequel nous dormons, c'est le drap de laine, réalisé avec la laine du mouton, dans lequel on va tailler les pèlerines, les couvertures, les gros vêtements. Une fois qu'on avait fini de tisser le drap, on le foulait avec de la craie extraite des souterrains. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Il y a un rapport entre les souterrains et l'histoire de Provins, vous le comprenez. Fouler le drap, ça veut dire prendre la craie, la mettre dans des grandes cuves avec de l'eau, le drap dedans, et on va fouler le drap avec les pieds pour resserrer les fibres de la laine rendues un peu lâches par le tissage. Donc on tisse, on foule, et ensuite on teint le drap dans les eaux de cette rivière que l'on appelle encore aujourd'hui le Durtain.
d'Urtin quand on met le mot à l'envers, Tindure, une rivière dont les eaux très ferrugineuses permettaient de bien fixer les teintures. On teignait principalement avec le pastel vendu par les marchands toulousains lors des foires. Donc vous avez tout compris, les souterrains que nous allons aller visiter se situent entre la ville haute et la ville basse. Ce ne sont pas des souterrains militaires, nous sommes trop loin des remparts. Ce sont probablement des carrières de craie à l'origine pour fouler le drap de laine et nous verrons d'autres utilisations à l'intérieur du réseau. Auparavant, vous pouvez admirer cette salle qui faisait partie de l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, au Moyen-Âge, c'est l'hôpital où l'on soigne gratuitement le corps et l'âme, mais on soignait dans la partie supérieure. Ici, c'était plutôt une salle d'accueil, un genre d'hôpital. Thank you.
Ah, film de Bruno, c'est trop long. Coupé. Allez, les gars. Essayez de pas trop appuyer sur la feuille. Essayez vraiment juste de caresser la feuille, de l'effleurer. Pas trop l'effleurer non plus, on ne savait pas non plus, mais de pas trop trop appuyer. Est-ce que bah, ça dépend quand vous voulez votre stylo, comment tu veux. Ça dépend comment les gens tiennent leur stylo en fait. Donc on coupe carrément et puis on met ça. Et ça au contraire, ça vous fait le livre, votre livre de la bibliothèque. Est-ce que ça protège de l'humidité ou c'est vraiment. Il a fait.
Maman ne pleura pas des larmes. Elle est émotion. Allez, vamos. Allez, vamos a ver si te caes. Espera, Alejandro. Adiós. Thank you.
te saute. Ah, il y a les cordes de chaque côté, avec les crochets, on croche, ça tire pas, ça part sur la colonne vertébrale. Ouais, t'as vu ça? Ouais, du hêtre, ouais. Carbone qui est dans l'acier. Ben alors, à la fin, on peut se retrouver avec une plaque de fer. Au lieu de partir avec l'acier, l'acier, c'est du carbone qui est dans le fer. Donc plus on brûle, plus le carbone lui s'échappe. Donc, il faut remettre trop longtemps pour faire une... Ça va le faire, ça va le faire.
Donald de Métier Jacquard. Je dois mettre de l'eau savonneuse sur ma laine et je dois frotter et rouler pour que les fibres de laine s'imbriquent les unes aux autres. Voilà. Que les fibres se resserrent, bah l'ouvrage devient retracé en taille. Des nappes comme ça parce que c'est pareil, c'est pour faciliter le feutrage, ça va plus vite. Et le savon aussi, que normalement on n'a pas besoin de savon pour feutrer, mais pour que ça aille plus facilement, eh bien, on utilise le savon qu'on enlève à la fin. Et c'est pour ça qu'il faut dépendre. C'est encore une ligne, le bois il est encore un peu. C'est pour ça que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Comme ça, comme ça. Allez les dames, viens fonter Thierry la fronde. À 50. Allez, je me paye, allez. Du coup, regarde papa, il va faire sac dans la cible.
Mais ça, c'est pour éviter qu'il pointe la part de la gauche. Le seul truc, c'est juste de mettre. Faut pas le faire chier, mesdames. Vous allez mettre 5 dans la cible. Continue comme ça, je te laisse faire. Encore. Tu envoies ça ? Mais tu me dis aussi. C'est minimum. Nicolas, viens là. Faites le même. Non, passe par là, viens. Alors, t'en as mis combien ? Deux. Quatre juste au-dessus et une complètement à gauche. Et une ratée ? Oui. Et une dans le jaune. Tu as déjà vu 5 jaunes ? Ouais, mon commun. Non, j'ai pas vu mon commun. Tiens, on le sait pas. Nicolas, tu viens avec papa ? Viens. Nicolas, tu vas te laisser là. Tu vois le petit Allez. Trou tout en haut là-bas, là, en haut du jaune. Tu restes là pour regarder Sébastien ? Voilà. Déjà tiré ? Alors, oui. Gentil de me le rappeler. moi qui ai déjà tendance à faire ce genre d'allusion. Nicolas, viens là. Nicolas, t'as déjà vu Nicolas. Un petit garçon qui fait genre le dos ? T'étais censé être sage. Allez. Et toi derrière. Je pense que tu piques. Tiens, on va se poser par là. Et après, vous redressez. Avec la main ou t'es ? Le bras bien tendu. Voilà, ça vous allonge. Allez-y, vous pouvez vous retirer. Non, Donc les plus moulantes, c'est bien là.
Non, vous étiez pas mal. Waouh! Qui c'est qui va payer son verre là? Il est où François? Sur mes épaules, mais je vais pas trouver les couilles, hein, d'accord? Accroche-toi bien.